ici Emmanuel. Aujourd'hui, on se retrouve sur Neo, sur The Roblox, et précisément sur le Training Pass Simulator. Aujourd'hui, notre mission est d'aller attaquer Monsieur Furious Jumper qui a un avion cargo à Greater Rockford. On doit aller le piller. Est-ce que t'es prêt, Furious? Oh oui, par contre, j'attends toujours le petit hiver. Ok, on arrive. Let's go, premier rang. Donc, train 3, on va faire son train 1. Pour l'instant, voilà, très vite. Ça arrive, hein, je te préviens. Ça arrive, mais très vite, tu vas pas avoir venir. Ah, tu sais que là, je suis au cours de Greater Rockford. Tu es en train de voler? Ah oui. Si jamais des fleurs te touchent, pour rester RP, il faut se mettre à terre. Moi, c'est pas comme si j'ai l'air. Yeti, Sun, 7, 6, 6, je vous somme de vous arrêter. Négatif. On vous l'aurait voulu, je vous envoie des guns dans la tronche. FedEx. Alors, vous arrivez toujours en retard. La dernière fois, moi, j'ai pas reçu mon paquet de bonbons. J'ai pété un câble, ok, c'est normal, fois... regardez ce qu'on fait avec vos vieux colis. Non, mais monsieur, j'ai pété un câble, ok, je le renvoie. C'est bon, je le renvoie. Let's go, Flare, on va les mettre à terre, on va leur couper leur moteur là. Flare! Ok, c'est bon. On a touché leur moteur. Oh, ah non. On a touché un des réacteurs. Oh, j'ai appris ça, je crois que... Bon, ils ont pas vraiment l'air en fait de changer parce que ils sont... c'est la même chose qu'ils sont en train de se crasher ou qu'ils sont en train de voler de toute façon. C'est un peu compliqué. Ok, je crois qu'il faut compter l'amérissage. Allez, il nous faut cette barre chocolatée. Demandons un message d'urgence, moteur numéro 2 toucher, dégâts majeurs. Ok, deux explosés. On va l'avoir, on va l'avoir. Perte de poussée du deuxième moteur, atterrissage d'urgence. Let's go. Un petit dernier coup pour être sûr qu'il va bien. Bon, ça va le pilote, sinon votre vie? Oui, très bien, même si c'était un idée express. Hein. Vous savez, au fond, moi je veux pas faire ça. Hein. À la base, je voulais être livreur Amazon, mais bon. Bien, let's go! Je cours, faut que j'aille pied. Faut que j'aille te plier. Attention, j'ai des bâtons lumineux pour te frapper. Hein. Let's go! J'aurais dû tenter l'amérissage près de chez toi. Bon, sinon ça va, monsieur FedEx? Comment ça se passe? Moyennement, on commence à prendre l'eau. Vite! Ma barre chocolatée! Elle va être mouillée! Je veux pas une barre chocolatée mouillée! Je crois que je vais gagner le premier round, j'ai réussi. À être le meilleur pilote. Ok, let's go. On y est presque. Ma barre chocolatée! Je t'attrape! Vous pouvez sortir hein, quand même, monsieur. Je suis pas là pour vous tuer. Hein. Attendez, je vous ouvre même les portes. Non, c'est bon, j'ai récupéré le paquet. Vous êtes sûr il est pas trop mouillé? Ça va. Bon, c'est sûr que j'aurais pu le faire autre part. Ok, premier round successful. On échange de place, on se reset. Je te laisse aller sur la HMS. Moi, je vais à Greater Rockford. Par contre, moi, je te préviens, je vais prendre une toute autre classe d'avion. Que t'as pris. Ah non, mais toi t'as des Game Pass donc c'est pas la oui. même chose. Hein. Mais par rapport à ce qu'on propose, c'est meilleur. Et moi je vais prendre toute autre classe d'avion aussi. Hein. Oh, j'espère que c'était un bout d'avion que je vais t'intercepter. Oh, mais tu vas avoir un avion. Mamma mia! J'espère que c'est pas un Dreamliner. Ah bah non, ouais, oh.
Tu sais, au début, j'ai hésité de faire ça avec un Dreamliner. J'ai l'avion sus. Ah, t'as pris un C'est DC-11. suspect. C'est suspect. Non, pas un DC-11. Un avion totalement actif. Lequel? Bon, let's go, je m'envole hors de la piste. Je suis le pire pilote du monde. De toute façon, qu'est-ce que j'en ai à T'as faire? décollé hors piste. Ouais. Ah bah j'ai fait la même. Je suis. J'ai besoin d'un imposteur à main gosse. Ça te cesse. La blague. Ah, let's go, je me casse, mais je me casse. Mamma mia! Il y a quelqu'un qui veut ma peau, j'en peux plus. En plus, il veut faire fort. Est-ce que tu y es? T'arrives là? J'arrive d'ici quelques secondes. Quelques secondes? Ah non, ça veut dire qu'il est rapide ton avion. Ah ouais, il est pas du tout rapide, il est sur du 407 KTS, 450 maintenant. T'es sur le HMS Queen Elizabeth ou sur le USS? Référence par rapport aux avions américains que tu peux prendre et qu'un Ah. avion de l'United States Air Force. Ok, donc l'USS. Ok, donc tu devrais arriver de l'USS. Pour le moment, je te vois pas. Moi, un petit point pour approcher très rapidement sur le radar. De l'USS, non, pas du tout. Ah, je vois quelque chose de gris. J'ai les flaps à deux, je crois que tu vas me gueuler dessus. En plein vol. Non, non, je vais pas te gueuler dessus comme la première vidéo, t'inquiète pas. Et moi, t'es toujours pas là. Ah, pourtant, je suis au-dessus de la lune. Au-dessus de la lune. T'es au-dessus de la lune? Oh, Mamma mia! faut blaguer. Là, je suis à peu près à quoi, 3000 pieds au-dessus de l'eau. 11 000. T'as 3000 pieds. Non, près, Bon, je veux dire 30 000. 30 000. T'as 30 000 pieds. Oui, c'est pour arriver en plusieurs fois. Pour te donner un indice, moi, je suis dans les 8 000 pieds. Ouais, t'es trop haut là. Je vais t'intercepter rapidement. Là, je suis au-dessus du réacteur Oxford. Ouais, et moi je suis pas au-dessus du réacteur Oxford, moi je suis autour. Là là là, je me dirige vers Sosepam, à 7 000 pieds. 7 500. En plus 8 000, bon. Là, t'as trop d'indices là. Mais il est où cet avion qui doit m'intercepter? Je veux mourir moi! J'ai le droit de mourir aussi, sinon je vais juste le. Je vais me suicider, je vais amérir. C'est pas ce que je voulais dire, c'est en montage. Ouais. Mais dans les nuages, c'est sûr. Mais tu me trouves toujours pas, je suis dans les nuages, moi. Ah, Ok, j'arrive juste au-dessus de Greater Rockford, là. non, là, en fait, c'est juste mon GPS qui bug un peu sur mon radar. C'est littéralement un shérif qui conduit cet avion, je suis pas du tout apte. L'Otari, je vois l'Otari 2, 3, 10. Je suis au-dessus de Airbus Gary. J'ai peur que tu m'arrives par derrière, que je prenne des flares et que ce soit déjà trop tard. Ah, je vois le Yeti 5-7. Ok, je vous vois. T'es trop rapide, tu m'auras jamais. Surtout que moi, je suis un pilote de. Est-ce 5, 3, 5, SUS. 3. Démon d'identification pour un vol au-dessus d'une zone militaire. Caca! Caca! C'est ça mon identification! Ok, alors on sait, mais du coup, vous êtes entré dans l'espace militaire de Je m'en fous! Je m'en vous fous! allez être abattu. Je m'en fous de ce que. Je m'en fous de ce que vous allez dire là! D'accord, je m'en fous, d'accord, je m'en fous. Donc arrêtez maintenant, d'accord, je m'en contrefous. On n'a rien à faire. Pour vous donner plus d'informations, je suis un pirate. Et vous savez pas viser pour vous donner plus d'informations. Je fais des tests là. Je vous vois même plus là, tellement vous savez plus viser. Ah mais vous êtes parti en Amérique du Sud là, hein, faut se calmer hein. Votre but c'est de me buter, je vous rappelle. Oh, vous voulez
devez savoir quelque chose, regardez au frigo. Oui, je sais. Sauf que moi, je vais pouvoir les éviter en mode 2. Ah, donc c'est peut-être pas très sécurisé comme position. Je faisais quoi là? Hélicoptère, 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 hélicoptère. Vous essayez de vous cracher sans que je vous. Je fais l'hélicoptère. C'est sûr que c'est un hélicoptère que vous avez là. Hélicoptère. Five hundred. Alors que je suis à 8000, à 800 pieds. Hein. Ça vient. Au mercredi. Il m'a pas touché. Non mais t'es trop rapide, faut que tu mettes ton speed à 15%. Tu dis que là il est vraiment à 15% tout à l'heure. Plus que 10 minutes. Ah non, c'est ça. Ah, il y a une petite limite de temps quand même, évidemment. Ok, alors j'arrive. Il y a un budget que t'as perdu, non? Ok, alors. Alors j'arrive de jouer avec mon volant, c'est une belle idée. Allez, 5 minutes pour me braquer. Et pour le moment, je suis tranquille, hein. Moi je te vois même pas. Ah bon? Moi je suis derrière. Ah si, ça je te vois. Non, t'es pas du tout derrière. Voilà. Ah. Là tu commences un peu à me rattraper. Ah mince, ok. Bon monsieur, on peut toujours en discuter très convenablement. Vous n'êtes pas obligé de me jeter des mitrailleuses à la tête. Qu'est-ce que vous en dites? Je crois que t'es bien touché là. Oh, il y a eu un. Oh non, attends, c'est pas bon. J'entends plus de bruit en fait, c'est pas terrible ça, je crois. Qu'est-ce que vous en dites? Oh, je dis que ça va se partir en amérissage, je pense. Amérissage, vous êtes sûr? Je suis la meilleure bilade du monde! Je vais faire un hélicoptage! Ah oh, mais arrêtez, monsieur, je suis déjà mort là. Oh mince. Ça va. Je crois que ça va partir en building issage là. Allez, j'arrive avec la fumée. J'ai sauté en parachute. Je tiens ma vie. Faut que tu braques le contenu de mon avion, je te rappelle. Hein. Oh, bah je vais bientôt faire des élections. Tu as sauté en plein vol, quoi, je le sais. Élection. Tu y es? Et moi, je me suis enfui. Hein. Oh, bah attends, je vais te rattraper, tu vas voir. Non, mais c'est pas le but, hein. Le but, c'est d'attraper ce qu'il y a dans mon avion. Oh, bah, ok, touché le sol. Confirmé, t'as gagné cette partie. Ah, bah. Je sais pas, quand t'as touché le sol, je suis monté à l'intérieur de ton avion. Ok. Même pris les commandes. On se reset tous les deux. On échange les places. Mais cette fois-là, j'arrive à t'avoir en pas beaucoup de temps. J'ai gagné. Ok, alors je t'explique. Maintenant, je vais prendre un petit avion. Ergo. Ok. Et je vais t'avoir en 2-2. Hein. Oh. Et les flares, je te casse les deux moteurs. Y'a pas de moteur, le petit avion que je te parle. Ah, d'accord, t'as un seul moteur. Non plus. Comme la taille de ta... Non. Devine, il a combien de moteurs, mon avion? 4. Et devine, c'est lequel avion qui en a 4? La 380? Non, B747. B747 ou la 330? Ou 40, je sais plus. Ni l'un, ni l'autre. Je dis un Dreamliner. Ah oui, d'accord. J'ai pris le plus gros. Tu rigoles zéro, toi. Ah bah c'est un petit avion, ça. Oui, c'est un petit avion. Bon, le talent 5353, comme talent 5353, c'est-à-dire plus de talent en braquage d'avion, va t'éclater, d'accord? Non, là j'ai décollé déjà. Moi j'ai déjà décollé, ça y est, là je suis en direction de l'aéroport. Je te mets les flaps dans la tête et mort. Ok.
Dis-moi, t'as combien de pieds là? J'ai combien de quoi? En pieds. Ouais. Je suis à 500 pieds, pourquoi? Oh. T'as combien? Non, j'ai attends, je me comprends pas avec le bruit de la vue là. J'ai la deux. Je suis à 2000 pieds. 2000 pieds, moi aussi, ça y est. Maintenant, je suis à 5000. Non, mais non, mais non. Par contre, je passerai pas trop non plus parce que là. Oh, mais pour éviter un avion, il y a toutes les façons. Me casse de rectangle en forme. Non mais par contre c'est autour de rectangle en forme. Oui. Oh mais je suis en train de tourner autour de là. Je suis en train de chercher autour de rectangle en forme là. Où es-tu? Bah là où tu cherches. C'est-à-dire, t'es où? Oh, c'est pas comme si je te vois au loin voler à pleine balle. Ah! Non, j'ai cru voir quelque chose sur mon radar. Rapprocher très vite. Oh, mais je te... Je crois que je t'ai cramé, hein. T'es cramé, t'es sur l'USS. N'est-ce pas? Non, ça, je suis sur l'USS. T'es près de l'USS. T'es pas trop loin. Ah, par contre, pour ma belle attitude, là, je suis sur toi, normalement. Ok, non, c'est pas toi. Mais pas sur l'USS. Est-ce que t'es vers... Ah, je dois arrêter la vidéo. Bon bah dites-nous en commentaire qui a été le plus efficace à voler un avion cargo. Sur ce, je vous dis au revoir. C'était Evan Gaming. À toutes.